Et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé. Tant, je sais que les gens vont dire ouais, mais ça fait longtemps qu'elle fait ça. Je pense parce qu'ils ont la possibilité de le faire. D'autres parce qu'ils commencent déjà la partie de la cuisine. J'ai bien sûr acheté, c'était à 8 euros et là c'est à 10 euros, 2 euros quand même de plus. Hello la team, c'est Bijou de Bichnex. Pour tous ceux qui viennent d'arriver, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé. Là, je viens de faire des cours, je me suis dit. Je vais vous faire une vidéo, il est tard, la lumière ne va peut-être pas être parfaite, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Là, ces derniers temps, j'ai un projet avec vous, c'est vraiment de finir ma cuisine et tout. Et je le fais doucement, je prends mon temps. Oui, je sais que ça va prendre du temps, je sais que les gens vont dire « Ouais, mais ça fait longtemps qu'elle fait ça, je vais prendre mon temps parce que c'est selon mon budget, c'est selon mes projets. » Donc, je prends le temps petit à petit. De le faire. D'ailleurs, je conseille à toutes les personnes, parfois quand on voit tellement de belles choses sur les réseaux, des filles qui ont des grandes maisons, qui changent des choses tout le temps. Oui, il y en a, ils changent parce qu'ils ont la possibilité de le faire. D'autres parce qu'ils commencent déjà à gagner de l'argent sur YouTube. Bien sûr, si le jour où je commence à gagner de l'argent sur YouTube, bah, ça sera plus facile pour moi de vous proposer à chaque fois. Alors, si vous voulez d'ailleurs, on ne sait jamais, abonnez-vous en tant que membre de cette chaîne, comme ça vous allez pouvoir me soutenir, ça serait sympa. Et on pourra faire plein de choses DIY ensemble. Bon, pour le moment, ce n'est pas préparé parce que je n'ai personne. Mais si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas, je mettrai le lien dans la barre d'infos. On est parti. Voilà, là, enfin, j'ai acheté une autre partie de ma cuisine. Je vous mettrai de côté parce que là, je l'ai en carton. Je vous mettrai une vidéo quand je serai en train de monter, bien sûr, cette partie de cuisine. Donc, j'ai acheté ça. Je suis super contente. En plus, ce qui est bien, ce qui est génial, parce que j'avais pas beaucoup de tiroirs. Et j'ai pris, en fait, pareil, c'était la même cuisine, IKEA. Donc, avec des tiroirs. Donc, ça a vraiment donné super bien. Voilà. Et ensuite, j'ai profité de faire quelques courses aussi. Quelques courses. Désolée, la lumière a changé un peu parce que c'est pas de ma faute. C'est comme ça. Supportant. Quelques courses chez IKEA. J'ai rajouté des thés d'oreiller, des thés de coussin pour changer en fait les coussins que j'ai au salon. Donc j'en ai rajouté chez IKEA, ça coûte 1,90€. J'en ai pris 4 pour le salon et les 3 pour les enfants. Donc pour la chambre des enfants. Quelque chose de très important que je voulais prendre, c'était des chiffons comme ça. Parce que vraiment, j'en avais plus. J'ai jeté tous les chiffons que j'avais. Et voilà, pour changer, j'ai pris ces chiffons-là chez IKEA. J'ai pris aussi celui-ci pour mettre quelque part. Je vous dirai plus tard parce que on va dire, l'année a très bien commencé quand même pour nous. Et ça, j'en ai besoin pour quelque chose. C'est les gens qui veulent savoir cette chose, abonnez-vous. Devenez membre de Bijunex, ok? Je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est de Next, Be Next, quelque chose comme ça. De toute façon, j'essaierai de voir ça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et ensuite, bien sûr, comme j'ai acheté la partie de la cuisine, j'ai bien sûr acheté des poignées qui vont avec, les poignées de ma cuisine, bien sûr. Franchement, première chose, choquée, parce que la dernière fois quand je les ai achetées, c'était à 8 euros, et là, c'est à 10 euros, 2 euros quand même de plus. Et c'était l'année dernière, en fait, que j'ai acheté la cuisine. Franchement, ça ne s'arrête pas, quoi. Les prix continuent à flamber. Et voilà, vraiment, faites attention, quoi. On fait attention à tout. Moi, je me prépare vraiment à essayer de tout faire pour vraiment continuer à faire avancer ma chaîne, mais faire petit à petit, mais bien. Ensuite, les tapis, parce que j'avais plus de tapis. Je vais commencer en fait au fur et à mesure à jeter mes tapis, mes anciens tapis que j'ai pour la salle de bain et pour les toilettes. J'en ai pris que 2 pour le moment. J'ai pris pour la salle de bain et toilettes. Donc je vais pouvoir. J'ai quand même pas jeté maintenant pour en avoir encore 2 de plus, peut-être le mois prochain. Voilà, j'ai acheté cela. Ça fait super bien. Bien sûr, je vous mettrai des petites vidéos à chaque fois quand je mettrai. Comme ça, ça fait bien. Eh hey les gars, mes vidéos sont super top, s'il vous plaît. Je vous demande juste de liker, de commenter. Vous êtes sur Bijunex. Ici, on va partager de la déco, on va partager plein de choses, astuces, DIY, quelques questions sur le lifestyle. Donc, vraiment, n'hésitez pas de partager mes vidéos et de me soutenir. J'ai besoin de vous. On est parti. J'en avais plus. Vraiment, j'en avais plus. J'avais plus de serviettes.
En fait, j'ai tout jeté parce que vous savez, parfois on en a, mais il y a de la sauce dessus, des choses comme ça. Franchement, je ne me suis pas torturée et j'ai pris les quatre qui sont là. Je trouve ça très joli. De toute façon, j'ai toujours voulu les avoir. Les couleurs, c'était pas vraiment la couleur que je voulais. Les couleurs que je voulais, mais bon, c'est pas grave. Ça fait toujours bien dans une cuisine d'avoir des belles choses. Vraiment, faites vraiment très attention. Ça coûte pas cher, donc forcément, on peut changer tous les, je sais pas, 3 mois. Vous voyez, vraiment faites l'effort en mettant un peu de côté. On peut pouvoir changer ça tout le temps. Et quoi d'autre que j'ai pris? J'ai pris ça pour les toilettes parce que vraiment je voulais changer ça. Ça faisait longtemps. Vous voyez la petite brosse là pour nettoyer les toilettes. Je voulais changer. C'est fait. Et on est passé ensuite chez Action. J'utilise ça, j'utilise ces lingettes-là pour nettoyer mes poubelles. Donc, c'est juste à côté des poubelles, comme ça. J'essaie aussi d'initier les enfants. Tac, on retire, on nettoie, ça coûte rien, c'est vite fait. On nettoie pour que les poubelles soient propres. En plus, là, c'est sale. J'ai profité aussi pour nettoyer pour vous montrer sur la vidéo. Vraiment, super top à utiliser, que ce soit pour la cuisine, pour nettoyer vos téléphones. Vraiment, ça sert, ça sert. Donc voilà, je vous mets ça de côté. Et bien sûr, j'ai pris des mouchoirs. J'ai pris ça coûte pas cher. C'est des sacs refermables que vous pouvez mettre au congélateur. Et vraiment, c'est top. Ça permet d'avoir. En plus, il y a trois tailles différentes. Trois tailles différentes. Et. Ouais, non, ici, il y a deux tailles. Donc, il y a 3 L, donc 3 litres et 1 litre. Voilà, si par exemple, vous voulez sortir, mettre votre sandwich. Moi, maintenant, j'essaie de faire mon sandwich à la maison pour manger au travail. Ça me permet d'économiser ma carte ticket resto pour que je puisse faire des courses. Vous voyez? Il faut toujours trouver des stratégies. Cette année, on trouve des stratégies. D'ailleurs, j'ai quelque chose à vous. Non, mais ça là, j'ai quelque chose pour vous. On va dire pour ceux qui vivent en France, franchement, ça sera intéressant. Je ferai juste une petite vidéo, comment dire, réelle, une petite short vidéo réelle. Désolée, on est sur TikTok, on est sur Instagram, on est partout. Bouffe. Une petite vidéo short et vous verrez, franchement, pépite, pépite. J'espère que ça va vous servir. Voilà, donc ça, j'ai pris des petits cotons. Voilà. J'ai rajouté une petite brosse parce que oui, tout le monde a n'importe quoi derrière parce qu'ils ont quand même, ces enfants, à chaque fois qu'on part chez Action, il faut qu'ils profitent. Et à chaque fois.